Ouais, c'est vrai que ça faisait maintenant 2 ans et demi qu'elle n'avait pas couru sous la selle. On avait fait un hit il y a un mois à Mêlée du Maine, monté, c'était très plaisant. On s'est mis au trot monté parce que, comme on peut le voir, maintenant l'attelage, faut savoir la vérité. Avant le coup, on est 5-6e. Donc au trot monté, je pense qu'il y a un truc marrant à jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a couru monté. Et puis ça s'est soldé par une magnifique victoire. Donc maintenant, on est serein pour cet hiver. C'est des juments de rêve qui m'ont tout apporté. Elle m'a tout apporté. J'ai eu la chance d'être 2e du Prix d'Amérique, gagner un Prix de Paris. Donc elle est dans mon cœur et puis je la remercie encore. Que les critiques, il y en a eu. Direction Cornulier. C'était ou pas Cornulier. Maintenant, c'est Cornulier direct. Il a bien gagné. Quand c'est Cornulier direct. Là, on va courir le Bretagne. Encore une fois, le monter, c'est plus facile. Cornulier. Bravo, les potes calés. Bravo. Ah oui. Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas une jument de 2100. On a démarré sur le pied de 7, elle a tout de suite été prise de vitesse. Et après, elle a fait que de refaire du terrain et court vraiment très très bien. Bah, la prochaine course, c'est encore un 2100. Parce que la course du mois de novembre, elle rend 25 mètres pour pratiquement rien. Donc on va pas courir, c'est trop difficile. Et la prochaine course, c'est au mois de décembre, c'est le prix Jules Le Monnier, et c'est encore un 2100. Donc c'est pas des courses idéales pour elle, mais bon, ça va peut-être lui donner un peu de vitesse pour la belle. Elle court très très bien, et elle répète le chrono de l'Île-de-France. Non, franchement, c'est de très bonnes augures pour l'hiver. Oui, très belle performance, ça rassure un peu tout le monde. Et puis, bon, c'était un peu sa distance de prédilection, elle adore cette distance. Et la jument revient en bonne forme. Sa dernière course de la petite piste était très bonne. Donc ben voilà, je suis, bon c'est sûr, un petit peu surpris de cette 3e place, mais bon, parce que bon, avant le coup, c'était pas évident. Hein. Mais vu la forme de la jument, lui, ben, quelque part, c'est très bien, elle est à sa place, elle retrouve son meilleur niveau. Non, il court bien le cheval, à 10 ans, il découvrait les 2100 de la grande piste. Il les a plutôt bien fait. Après, je voulais vraiment laisser descendre et remonter un peu plus calme, mais malheureusement, on m'a pas laissé trop le temps de souffler, quoi. La bosse, on l'a remonté bien assez vite. En plus, on a mis un bonnet fermé. Il s'est mis en route en montant. Du coup, il a pas respiré. Et puis, bah, Eric, il a bien joué le coup, quoi. Il connaît en plus. Donc, c'est vrai qu'intersection des pistes, il nous a collé une bonne banderie. Et donc, ça nous a fait du mal, quoi. Moi, au moment où j'ai besoin de souffler, lui, il a remis un tir. Donc, si on arrive à ressouffler 100, 200 mètres de mieux, j'aurais été second. Donc, 4e, il démérite pas.